Équirépartition. Lorsque l'on a une variable que l'on dépouille, on va avoir une répartition qui peut être identique ou non dans les différentes modalités. Si la distribution dans les modalités était aléatoire, normalement, on devrait avoir approximativement la même distribution dans chacune des modalités. Par exemple, lorsque l'on a deux modalités, eh bien, on devrait avoir 50% des réponses dans une modalité et 50% dans l'autre. Lorsqu'on a trois modalités, on devrait avoir 33% dans l'une, 33% dans l'autre. Il est donc intéressant, quelquefois, de voir si la distribution va être identique dans chacune des modalités ou non. Lorsque l'on parlera d'équirépartition, cela signifiera que il y aura la même distribution dans chacune des modalités. Il y aura une répartition identique. Prenons un exemple. Si nous regardons le sexe qui se trouve ici, nous avons deux modalités, hommes et femmes. Et puis, nous avons des gens qui n'ont pas répondu. Alors, pour les non-réponses, on a déjà vu qu'il valait mieux les enlever, parce que sinon, on va obtenir des résultats qui ne vont pas forcément être très fiables. Alors, on va les enlever après, mais avant, je voudrais montrer comment est-ce qu'on peut mettre en avant, comment est-ce qu'on peut faire ressortir les répartitions qui sont fortement différentes. Par exemple, lorsqu'une répartition est très élevée par rapport aux autres, eh bien, elles apparaîtront dans un encadré bleu. Lorsqu'elle est moins représentée que les autres, elles apparaîtront dans un encadré rose. On va donc, dans ce cas-là, faire un double clic sur le tableau. On va aller sur l'onglet Test et puis on va activer la case à cocher, colorier les cases significatives. OK. Et ici, par exemple, nous avons une case en rose, les non-réponses, et deux cases en bleu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que les modalités féminin et masculin sont bien plus représentées que les non-réponses. Et d'ailleurs, heureusement. C'est pour ça que ces non-réponses, mieux vaut les enlever. Si je les retire, eh bien, on va enlever les non-réponses. Hop, on va aller donc ici, hein, dans Calcul, on ignore les non-réponses. OK, du coup, la modalité disparaît. On a deux modalités, hommes et femmes, qui sont approximativement les mêmes, puisque une est de 49,4%, alors que l'autre est de 50,6%. Donc c'est quasiment la même chose, aucune des cases n'est colorée. Nous allons faire la même manipulation sur la situation professionnelle, les fameuses CSP. Donc la situation professionnelle, c'est normalement la variable 35. Je la glisse sur la feuille. Lorsque je double-clique, je vais aller sur mon onglet Test pour dire que je veux colorier les cases significatives. Donc normalement, les cases ne sont pas significatives puisqu'il y a 10 modalités si elles sont approximativement aux alentours des 10%. Par contre, s'il y en a une à 50%, bien sûr, elle va apparaître en bleu. Si l'autre est à 2%, elle va apparaître en rose. Alors, on va aussi enlever tout de suite les non-réponses qui ne servent à rien. Donc là, je vais dans Calcul, j'active nos réponses et je fais OK. Et il apparaît que par rapport aux situations professionnelles, on s'aperçoit qu'on a énormément d'étudiants et que l'on a très peu de personnes en recherche d'emploi, de cadres moyens, de cadres supérieurs ou de professions libérales. Ces valeurs-là sont très faibles. Alors, ce n'est pas innocent parce qu'on s'aperçoit finalement ici que l'enquête, elle a été faite probablement à la porte d'un IUT ou à proximité, en tout cas, d'un établissement d'enseignement, puisque 50% des répondants sont des étudiants. Du coup, ça va avoir un biais sur les réponses. Donc, si on souhaite interroger les étudiants, bien sûr, ça sera intéressant. Si par contre, vous voulez voir un petit peu comment se comporte la situation, la population totale, le biais est très très important. On va encore faire ça une troisième fois. On va essayer de regarder le temps passé devant la télévision. Donc le temps passé devant la télévision, c'est la variable fréquence qui me permet de le
connaître. C'est la première variable. Donc je la prends, je la glisse. Ici, je me retrouve donc avec des temps passés devant la télévision, hein, qui va de plus de 5 heures jusqu'à jamais, 5 heures par jour jusqu'à jamais. Et ce que je veux savoir, c'est s'il y a des modalités qui sont plus importantes, enfin qui ressortent plus fréquemment que d'autres. Alors, on va double-cliquer sur la variable. Là, je n'ai pas besoin de m'occuper des non-réponses puisque tout le monde a répondu. Je vais juste aller sur test pour demander de colorier les cases significatives. OK. Et je m'aperçois que l'essentiel des gens regardent soit plusieurs heures par jour la télévision, 182, ils sont bleus, soit une heure par jour environ, il y en a 119. Par contre, très peu de gens ne regardent jamais la télévision, 7, et très peu la regardent aussi plus de 5 heures par jour. Alors, on va essayer aussi de rajouter peut-être une petite zone de texte. Ici, là, donc dans l'onglet Accueil, on a un bouton qui s'appelle Zone de texte. On va cliquer dessus. On va rajouter une zone de texte pour pouvoir écrire temps passé devant la télévision. Ah, j'ai mis un espace. Devant la télévision. Bien entendu, cette zone de texte, on va pouvoir la déplacer, l'agrandir, retoucher également en double-cliquant dessus, hein, la taille et la police. Donc si je veux mettre plutôt cette police-là, je peux en utiliser donc une autre, augmenter la taille à volonté. Ah, par contre, il faut sélectionner quand même texte voulu, donc là je vais prendre notre police, allez, on va prendre belle, on va passer en 16, je vais du coup retailler ma zone de texte pour qu'elle prenne plus de place et la positionner bien au milieu.